J'ai plus le droit de mourir maintenant. Mais en fait, ce qu'on veut sur ce boss, c'est qu'il nous fasse une RNG sympa où il reste sur le côté là. Voilà, ça c'est plus un début auquel faut s'attendre. C'est-à-dire, on prend des hits sur les petits ennemis de merde. Ah, il y a Pharoman aussi où j'ai eu de mort. Sur le boss. Donc voilà où est-ce qu'on va vouloir gagner du temps, Starman et Pharoman. Donc si on prend pas cette vie, on prend l'autre. Et ça fait pas perdre de temps. Oh là, j'ai eu le... Il y a des damage boosts qui sont un peu mieux que les autres. Si on fait select bien placé, on se met vraiment bien. Allez, donc on a dit, finalement, on prend cette vie. Elle est pas très loin, hein, de la route. Et elle nous met vraiment safe contre le boss. Aïe. Lui, il fait mal, par contre. Elle nous met plus safe contre lui que contre le boss, d'ailleurs. Parce que c'est lui qui est douloureux. Ok, on y croit. Alors pour ceux qui savent pas pourquoi je fais select, parce que sinon il y a les frames d'invulnérabilité et là en fait on reset les frames d'invulnérabilité du boss. Ce qui fait qu'il peut prendre les deux hits directs. Hop. Ça ne marche que sur Megaman. Et c'est important pour deux choses. Vous m'avez vu le faire sur les petits ennemis à la con là parce que... vous voyez encore la souris? Mais je sais pas pourquoi elle est décalée comme ça la souris. Non. Estio. Sur les petits boss à la con parce que... les petits mobs de merde, ça vous fait retomber directement sur eux. Et donc ça fait un espèce de gros damage boost contrôlé. C'est très très pratique. Et sur les boss, bah, le reset de frame d'un vu, c'est également très fort. Le drop de vie, on va le prendre, on va pas cracher dessus, surtout que le boss ici, il est un peu douloureux. Ok, c'est bon. Ce petit saut là, il passe de plus en plus souvent. Je l'ai pas raté une seule fois de la soirée. Je l'ai raté quand je m'entraînais, mais je l'ai pas raté dans une seule run de la soirée. Voilà, ça commence mal. Et il se met sur nous, ça nous fait chier. Pas mal. Toc. Metal Man. J'ai du mal avec mes mains, splitter, reset les niveaux, la console, c'est compliqué. Ah, j'ai raté. Ça passe quand même. On se fait toujours peur ici avec les tanks, mais ça passe. Hein. Ok, je vais tout décaler, c'est pas grave.
Ah, dommage, j'ai cru que je l'avais, là, j'étais presque. Mais non. Bah, c'est pas très grave. Ok. Alors, les drops de vie, on peut se dire, c'est chiant. Parce que ça fait perdre du temps. Mais ça dépend où est-ce qu'ils sont. Ok. Lui, il va me faire chier. Voilà, bon, du coup, tant pis. En fait, si vous avez genre un point de vie et vous prenez de la vie, ça vous fait perdre du temps. Si vous avez besoin de beaucoup de vie et vous êtes dans la merde, bah forcément vous perdez pas de temps parce que vous mourrez pas, donc. Donc c'est pas mal. Allez, attention. Merci. Bubble Man. On va tenter le skip en boucle hein, jusqu'à qu'on l'ait. Faire des petits zips. Ok, elle m'a fait peur cette petite grenouille nulle là. J'ai cru qu'elle allait me pousser dans le vide. Mais ça s'est bien passé. Je me prépare au beau... au buffer. Allez, là je l'ai. Yes. Ok. J'ai cru que j'étais encore coincé dans le mur, mais c'est bon. Bon, ça déjà, c'est une bonne nouvelle aussi, hein. Oui, je prends la vie. Oh, c'est bon. C'est bon, on a réussi le skip, on peut prendre la vie. Est-il vraiment worth it? Oui. Je pense qu'il est réellement très worth it quand tu le fais avec un peu moins de pause que moi. Parce que plus tu fais de pause et plus tu perds du temps. Les tops font vraiment en, je sais pas, 4-5 pauses. Donc c'est ouf. Moi je fais ce que je peux. Dans tous les cas, il me met safe et il m'évite de prendre trop cher. Quickman. Et c'est pas un gold hein, quand même en réussissant ça. Parce que il y a vraiment moyen de faire le niveau bien. Mais en gros tout à l'heure j'ai fait plus ou moins le même niveau mais sans le skip. 6 secondes. Voilà. Ça donne une idée. Là on est à 6 secondes. Je pense que si on fait le skip vraiment bien, on peut tabler sur 10 secondes. En mettant pas trop de start. J'ai pris un peu mon temps pour setup aussi, tout ça. Ah, lui, j'y arriverai pas à l'avoir proprement. Lui, ça va. Lui, c'est easy. On se fait toujours peur sur ces phases, mais en vrai ça va. Alors il y a un skip à faire là. Non, j'ai raté. Bon tant pis. Du coup je prends le hit sur lui. Du coup il va falloir faire Quickman sans les PV. On va essayer.
C'est le premier Nemesis Quickman. Hein. Premier boss très relou. Voilà, voilà. Nique-toi. Saleté, saleté. Faut que j'apprenne à faire ce boss parce que ça se passe toujours trop mal. Hein. Hop. 25 secondes. Dommage. Mais juste Pharoman, on peut rattraper du temps. Et ensuite Starman, il y a vraiment moyen de rattraper du temps. Allez, là, faut glisser sur ces niveaux maintenant. On glisse tout le temps. Je pense que c'est plus rapide de passer en bas en vrai. Mais par contre, on arrive sans la vie. Alors à voir. Ah, si on fait une glissade là-dedans, on est bien. Ok. C'est moi ou il y a dans le mer ? Doudou ! Merci beaucoup, Tifa. Tifa qui lance un groupe de raid, merci énormément. Bienvenue, tout le monde. Et merci, Tifa. C'est pas la folie hein, sur Megaman. Je suis en galère. Oh là là. Vraiment d'ailleurs. Salut tout le monde. Doum. Heureusement qu'il y a de la vie là-haut. Les petits chats qui font tout laguer. Si avec les petits chats. Touloutou. Ils sont galères à tuer, ouais. Ils prennent 6 hits, je crois, ou 8. Ah, ils prennent beaucoup de hits. Ok. Je ralentis toujours un petit peu pour prendre cette plateforme, parce que j'ai peur de glisser et de la rater. C'est pas tout de suite qu'il faut tirer. D'abord le boss. Non, j'ai raté. Pas trop grave. Je me demande si on peut pas faire un cycle de moins, là. Toc. Je pense qu'on peut, si on se met bien, avoir un hit en plus, là, parce qu'il manquait juste un hit. Et Pharoman, il est à gauche. Hop. Allez, on essaie de le faire sans mourir cette fois. Ah, oh, génial. Lâche-moi l'abeille nulle, là. Bon, j'ai pris quelques hits. Promis, un jour, je ferai ce niveau comme il faut. Ah, on peut glisser sous sa tête, lui. Un peu dommage, là. Oh, c'est rien de méchant. De toute façon, c'est cette partie qui va être un peu plus compliquée. Viens, petite chauve-souris, oui. Voilà, tu m'embêtes pas. Merci. Tu.
J'aime pas trop devoir garder tout chargé tout le temps là. Okay. Non, j'ai pris un hit. Ah, on va espérer que le boss fasse pas nimp alors. Les morts débiles ici. Ah non, mais ce niveau, j'arrive pas. Mais là où il y a le plus de temps à gagner, c'est ici et Starman du coup. Ah, il fait sa mongolisation là. Très bien, continue. Non, c'était bien ce que tu faisais. Voilà. Fais ça. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est ma faute. Ah, je vais crever. Non. Fais pas le fou. Oui! Incroyable. Starman, il est en bas. Et je le savais, hein, le faire sans mourir, c'était forcément un gold. Tu sais pas, Starman? Mais du coup, tu fais qui à la place? Est-ce que tu fais toujours un boss du 5 à la place? Ou est-ce que t'as un autre boss en plus? Je suis assez curieux des routes. Ah, j'ai pris trop de hits là. C'est dommage. Heureusement, on s'en fout un peu. Quoique. Faudrait quand même pas mourir. Non, il y a le checkpoint juste là, donc ça va. Gravity. Je fais Gravity après. Ah c'est bon, il y a des PV, je les prends. Même si on a le HP après, c'est bon. Ah bah c'est bon, il y a de la vie là même. Du coup je vais pouvoir bourrer. 100%. Non. Quel débile. Quoi? On peut faire ça. J'ai pris la vis qui m'a fait repop dans le truc. Ce sont des choses qui arrivent donc. Ah, c'est... La pire mort, il est nul en plus ce passage. Rip. C'est nul de mourir là. Ouais, alors qu'on a juste à faire ça. Allez. Bon, si le boss se fait bien, on peut quand même essayer de pas perdre trop de temps. Si on a un bon boss. Toup. S'il est généreux sur la RNG. Ce qui a l'air d'être le cas. Bah, c'était mieux de passer que en haut. Non. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime pas du tout ça. Ah, j'ai raté. LOL.
Je sais qu'on peut gagner énormément de temps sur ce split. T'as une seconde de gold avec deux morts. C'est ridicule. Absolument ridicule. Mon PB, il est à 25-21. Je me bats contre mon PB. Allez, je vais pas faire le fou, je prends le drop de vie. En mode au cas où. Allez. C'est un peu moche. Oh là là. On prend tous les hits du monde. Heureusement contre le boss ça devrait aller. Ça devrait aller. Pas faire de bêtises quand même. Ah, je l'ai eu. Incroyable, mais vrai, je l'ai eu sur le premier cycle. Que je rate d'habitude tout le temps. Pour le coup, je rate des cycles au milieu. C'est pas mal ça. Et le 6. Wine Man. Pip, 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 pip. Ok. Le niveau s'était très bien passé, donc ça va être compliqué. Nice. C'est bien que ça passe ça du premier coup. Ah purée, j'ai raté lui par contre. Ça c'est douloureux, ça lag et c'est chiant. On peut quand même bourrer, donc ça va. On peut passer en un coup, je pense, là. Pas besoin de faire ce double saut. Bon, il nous met safe, donc c'est pas grave, mais... probablement pas besoin. Ah, j'arriverai jamais à les tuer, hein. C'est terrible. Ah, j'ai raté le panda. Oh, le gros drop de vie juste à la fin, c'est parfait. Non, c'est bon. En deux fois. On y croit. Easy life. 24-57, ça
Ça fait 200 points. Ça fait 200 points.